Et quand je wiggle, je m'auto-baise en fait, ça y est, j'ai compris. Oh putain, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Attends, les trucs arrivent en haut avant de trembler. Comme ça, tu peux en avoir deux d'un coup. Ah, ok. Tu les revises tous en même temps, donc ils dévisent tous en même temps, du coup. T'as un timing où ils sont tous rouges. Et toi, frérot, tu vas te faire time out. Putain, il est cool ce jeu, tu peux pas te taper. Du coup, j'ai plus de chat, tant pis pour vous. Now, all you have to do is wait. Bon bah je crois que j'ai assez d'infos. You keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. Et c'est quoi la strat? C'est de les reviser tous au max d'un coup? C'est pas possible, ce n'est pas possible. C'est quoi, c'est de créer un espèce de pattern, ça? De créer un ordre et que je respecte tout le temps en fait, c'est ça? Mais tu penses que ça tiendra? Je sais pas si ça tiendra. Hein. On va voir. Hein. C'est la débandade. C'est la débandade. C'est mort, je suis mort. C'est bien ce que je fais ou pas, les gars? Est-ce que c'est bien ce que je fais, les gars? Non?
the faceplates for you. That way they can find you on the cameras. Now, all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. C'est infernal cet exercice. Il est infernal. T'imagines, je suis déjà en rouge au début. Pas mal là. Ça va être long ça, putain. Je prends du retard, sa mère. Putain! Comment ça rembobiner dès que la voix vous parle? Cela vous fera gagner les précieuses secondes, rembobiner les springlocks en commençant en haut à gauche jusqu'en bas, puis en haut à droite jusqu'en bas. Faites ça tout le temps. La première minute, rembobiner les springlocks jusqu'au maximum, position 12 heures. Mais vers les 2 minutes, vous vous sentirez sans même avoir le chrono. 3, rembobinez-les jusqu'à plus qu'à un quart d'heure. Putain, mec, l'enfer existe et il est ici, hein. J'ai plus le son. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces vis de merde en même temps, frérot, genre. Qui a fait des vis de merde?
Comment je sais que la première minute elle est passée, les gars? What the fuck? Là, c'est un quart d'heure, hein, c'est ça, c'est un quart d'heure. Hein. Je suis mort. Franchement, je suis mort. Je vois pas d'issue là. Je vois pas d'issue. Je vois pas d'issue, je vois pas. Ah mais ta mère! Frérot, je vois pas. Prends un autoclic, c'est pas l'autoclic les gars. J'en ai assez, putain de merde. Giga-chad. Giga-chad là. Je l'ai les gars, Giga-chad. C'est le moment. Giga-chad. Je sais pas comment je vais l'avoir en haut, mais bon, bon courage. Oh, ça passe à travers. Oh le... Non mais je savais pas ça, putain. Et voilà, putain, le jeu de merde. Quand j'appuie quand je bourrine sur shift les gars. Les gars, c'est fini, écrivez plus en pavé les gars, c'est fini. Juste pour ce live exceptionnellement les gars, soyez moins cons et écrivez moins en pavé s'il vous plaît. Écrivez genre 3 phrases max, pas 15 phrases. Allez, les modos renforcement musculaire, on y va. 3 phrases max les gars. 3 phrases max. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. Pas 15 phrases par message, bande d'enfoirés! Foiré! Je sais qu'à la fin il faut pas que je focus, il faut que je... Je suis au bout d'une minute, il faut que je mette tout à un quart là, comme ce qu'il a dit là. Mais c'est dur les gars, c'est vraiment dur. En fait c'est dès que je dois wiggle les gars là, c'est fini.
Je remets tout à fond et c'est la dernière fois que je remets tout à fond les gars. Maintenant je remets. Maintenant je vais jouer le quart. Ok, on commence le quart. Ça m'a tellement baisé ce wiggle. Oh là là, il m'a tellement baisé. Allez bébé! Le quart! Allez! Quelqu'un calcule ? Il me reste combien de temps là ? Oh, j'en ai marre. C'est mieux ? Il me restait 23 secondes à tenir ? Non, il manquait 10 secondes à tenir. Oh là là. I'll open the faceplate. Allez. For you. Le problème, c'est le wiggle, il m'a tué à la fin, les gars. That way they can find you on the cameras. Le wiggle, il m'a tué à la fin, les gars. Allez. Now, c'est bon, celle-là, c'est la bonne. All you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Je deviens une machine de guerre là. Je deviens une machine de guerre, moi je veux le dire. Dégage toi. Je te nique early. Toi aussi je te nique early, j'en ai rien à foutre. Ce sont des buts, je peux tout faire au max. Putain, le wiggle il te casse la bouche hein. Je suis au début, je dois tout remettre déjà au max. Ok, j'ai un à gauche, un à droite. Non mais frérot, allez, j'ai wiggle là, allô. Ok, là je vais commencer à faire le quart. Enfin, je peux encore les jouer là. Non, vas-y, je vais commencer à quart.
impossible. 6 secondes, il restait. Putain, mais j'ai du wiggle, mec. J'ai du wiggle, putain. Ah, j'ai du wiggle, les gars. Et encore, j'ai fait bien. Je pense que j'aurais pu être plus rapide encore, les gars. Je vais virer mon clavier, là. Je vais vraiment tryhard à mort, là. Souris proche du corps. La souris, elle est proche du corps. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Mon wiggle, il fait trop mal, les gars. Oh, comment je suis en retard, là, déjà. Ah, oh, j'ai envie de gerber. Allez, je m'en fous, je remets tout au max. Allez, tranquille. Respire, respire, respire. On met tout au max, on y va, on l'a, c'est parti. Là, ça va me coûter cher de tout remettre au max à droite. Non, même pas, c'est bon, tranquille, tranquille. Et après, on va commencer. Eh, prévenez-moi quand. Prévenez-moi le timer, les gars. Prévenez-moi le timer là. Quand je vais commencer le quart là. Une minute, ok, je commence le quart. Comment je suis bien là? Je prends un peu d'avance là. Je crois que je peux. Trop wiggle. À 15 secondes, putain, j'en peux plus. J'ai trop wiggle, mec, c'est l'enfer. J'ai trop wiggle, j'entends plus rien, j'entends que des tic-tac dans ma tête. J'ai trop wiggle, les gars, j'ai trop wiggle. Peut-être que mon problème, c'est que... J'aurais peut-être juste faire un... Comme ça, ouais. Parce qu'en fait, je fais comme ça. Alors si je fais juste AD une fois, les gars, c'est bon, non? I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing. Si je fais une fois AD, c'est bon? You don't want them to get too loose. Trust me. Autoclic, ça change rien, bouffon. C'est là, je reste appuyé sur clic là. C'est le max là. Crois-moi, mec. Si s'agissait de clic, je ferais brrr, comme ça. Hein. Juste une fois AD, c'est bon ou pas? Ah ouais, non. Ouais, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Je suis déjà mort, hein. Ah non, c'est bon, hein, deux fois. C'est bon, des fois. Là, ça a marché, hein. Une fois AD. Je suis déjà mort, MDR. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Faut que je rattrape le retard là.
Le retard qui me fusille, frérot. Ah putain, double wiggle encore. La dernière fois que je recharge max. Je prends un peu d'avance là ici, j'ai un peu de moment de répit. C'est pas mort les gars, regardez là, je récupère l'avance là. J'ai un pit stop là, j'ai un pit stop. Ok, maintenant je fais le quart, allez. Je grid 0, je fais le quart. J'en ai plus rien à foutre, tout à l'heure j'ai grid un peu. En mode vas-y t'inquiète, je fais un petit peu plus que le quart. Non non non, c'est fini là, je fais le quart. Je suis très très bien là. Je suis horrible. Je suis horrible. J'ai du wiggle, j'ai pas de chance les gars. Il y en a un qui monte solo et du coup il y a pas son, il y a sa petite sœur à gauche qui passe trop tard, mec. En fait il y a juste un wiggle en trop les gars. Il y a un wiggle en trop les gars. I'll open the face plates for you. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Et la Sensi a une espèce d'accélération matérielle, les gars, je vous jure, c'est l'enfer. Ça sent tant que la minute elle passe les gars, c'est bon, genre je peux faire ce que je veux et là je vais m'entraîner sur mes wiggles. Tant que la minute elle est pas passée les gars. Bien là, je suis giga tchané bien, les gars. Je suis giga tchané bien là. Je suis pas bien là. Je suis pas bien les gars.
C'est Swiggle qui va mettre mal là. C'est bon! Let's go, putain! Oh mon dieu! Oh mais quelle épreuve! Quelle épreuve, putain de merde! As the moon rises, so also rises the tension between Scorn lovers. Clara, it's not my baby! Vlad, you suck. Wait, was that a vampire joke? That was so lame, Clara. Like, I haven't heard that a million times. Okay, well, how's this? I'm taking the car. The joke's on you. It's a rental. Well, the joke's on you. I set the thermostat to 90 before I left. Good. I like it warm. Good. Because I also set the house on fire. How will it all end? The passion, the tension, the intrigue. Tune in tomorrow for the exciting conclusion. T'as la dernière mission, j'espère qu'elle est pas badante parce que là, franchement, là, j'en peux plus là. Je suis au max là. Je suis au max, les gars. Et vraiment, c'est pour vous, hein, les gars. Je suis au max. On va faire une petite pause avant le prochain marathon. On va faire une petite pause, les gars. Welcome back to your last day on the job. That is the last day of your first week. Some of the most valued qualities that we like to see in new employees are determination, fearlessness, and a genuine disregard for instinctive self-preservation. You've earned your one-week bonus, which will be given to you in the form of a delightful gift basket, the cost of which will be taken out of your next paycheck. We have gift baskets containing fruit, nuts, flowers, and of course the ever-popular cash basket. Using the keypad below, please. It seems you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Thank you for selecting Exotic Butters. Ça fait plus dur, okay. Please be aware that there are still two technicians on site today. Try to avoid interfering with their work if possible. Also, feel free to ask them why they are still there and encourage them to go home. Ah. Les deux techniciens là qui étaient là-bas là, ils sont à la merde. Les clignotements, tu vois, je m'en passerai. Vraiment. Je m'en passerai, c'est pas agréable. Motion trigger, entryway vent. Les BPM là, c'est bon, tu vois, j'ai son appel à avoir le sang-froid. Let's check on Ballora and make sure she's on her stage. Oh. Great. Now let's check on Funtime Foxy. C'est les deux employés? Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. Your task today will involve more maintenance work. Circus Baby had a rough day and is in need of repair. You will be required to reach the parts and service room by once again sneaking through Funtime Auditorium. As always, please proceed with caution. Funtime Auditorium, maintenance vent open. Oh, encore Foxy. Oh mon dieu. Motion trigger. Oh non, parts and pas service. Ça. Great job reaching parts and service. Circus Baby has been deactivated for an unknown reason. It's your job to make sure she is structurally stable and secured to the conveyor. Our technicians will take it from there.
Ça se trouve, c'est fait la même chose, non? Can you hear me? Ah non. I'm pretending. Remember how I said I could pretend? The cameras are watching. I must be careful not to move. Something bad happened yesterday. Something bad always happens. I don't want it to happen again. There is something bad inside of me. I'm broken. I can't be fixed. I'm going to be taken to the scooping room soon. But it's not going to fix what's wrong with me. Elle est gentille, je sais pas si elle est gentille, frérot. What is bad on dirait qu'elle est gentille. Is always left behind. Will you help me? I want you to save what is good, so the rest can be destroyed and never recovered. But you must be careful. Ballora is here. Oh, qui? In the room with us. Ballora will not return to her stage. Ballora will not return to her body. You must be careful. You must remain calm and listen to my voice. There is a button on my cheek. You must find it and press it. On my cheek, frérot, genre arrête. My cheek, c'est quoi? You must enter before you can retrieve me. Enter the code carefully. 9. Mais quoi? Mais quoi? Comment, mec? Allô? C'est la vengeance, les gars, je vais y arriver. Les cupcakes sont faits pour être filassés? Ah ouais? Et il faut en donner deux au même gosse. Pas les mamans, c'est pas grave. Motion trigger, parts and service.
Great job reaching parts and service. Circus Baby has been deactivated for an unknown reason. En bas à droite, on est d'accord, hein? It's your job to make sure she is structurally stable and secured to the conveyor. Our technicians will take it from there. Non, ça dépend, non? Quand tu téléphones, il est où le numéro? Le 9 est en bas à droite. Alors? There is a passcode that you must enter before you can retrieve me. Enter the code carefully. 1 7 8 2 9 8 6 Frérot, genre, c'était à millisecondes près, mec, faut sniper tout le monde. Faut être un sniper dans ce jeu, mais c'est terrible. Heureusement qu'il n'y a plus l'eau de coque. Non, j'ai même pas cliqué, frérot. J'ai pas cliqué, les gars. Je n'ai pas cliqué. Mec, je savais pas qu'il fallait, genre, je savais pas que t'avais, genre, une milliseconde. J'ai même pas cliqué, les gars, j'ai pas cliqué à côté. Motion trigger, parts and service. Great job reaching parts and service. Circus Baby has been deactivated for an unknown reason. It's your job to make sure she is structurally stable and secured to the conveyor. Il manquait juste Our technicians will take it from there. Can you hear me? There is a passcode that you must enter before you can retrieve me. Enter the code carefully. 4 6 1 3 5 1 2 2 5 7 Good. A hatch should have opened. Take the card that you find inside. Now you must turn back. I will guide you through Funtime Auditorium so you can reach the scooping room. When you are there, I want you to destroy this body. Put the card into your handheld device, and I can continue to speak to you. Now, press the green button to your left. This will send me to the scooping room. What the fuck, vous les voyez? Vous voyez les yeux? You must follow my instructions in Funtime Auditorium. Ballora is going to follow you. She will try to catch you. I will help you avoid her. She will not follow you inside the scooping room. She is afraid. Go back now. Go forward. Oh mon dieu. Funtime Auditorium maintenance vent opened. Oui, j'ai compris, il y a une fin secrète. Ou si tu l'écoutes pas, gna gna gna. T'appuies pas sur le bouton vert, c'est ça la fin secrète? Motion trigger, parts and service. Ah, le code de merde. Great encore. Job reaching parts and service. Circus Baby has been deactivated for an unknown reason. It's your job to make sure she is structurally stable and secured to the conveyor. Our technicians will take it from there.
There is a passcode that you must enter before you can retrieve me. Enter the code carefully. 9, 6, 9, 2, 4, 2, 6, 6, 1, 1. Good. A hatch should have opened. Now you must turn back. You must follow my instructions in fun time. Go forward. Ah, j'ai utilisé le flash, les gars. Quoi? Mais frérot! Faut jamais utiliser le flash, c'est ça? Frérot, c'est abusé, mec! Mais quand elle me dit de tourner à gauche, comment je sais si je vais à gauche, les gars? Motion trigger, parts. Comment je sais si je vais à gauche? Je dois bouger ma souris à gauche? Great job reaching parts and service. Circus Baby has been deactivated for an unknown reason. It's your job to make sure she is structurally stable and secure to the conveyor. Oh. Our technicians will take it from there. There is a passcode that you must enter before you can retrieve me. Roll. Enter the code carefully. 4, 8, 5, 7, 3, 1, 3, 9, 7, 8. Good. A hatch should have opened. Now you must turn. À droite, la deuxième fois qu'elle dit à gauche. Ok. You must follow my instructions. Go forward. Stop. Go forward and left. Mais ta mère, mais Je comprends pas. Forward and left, mais nique ta mère, genre. Je vais devant ou à gauche, connasse. Z et Q en même temps? Ok. Ok, donc, les gars, là elle dit forward and left. Et ensuite, quand elle va dire forward and right, forward and left encore, et ben je vais forward and right, c'est ça? C'est ça les premiers? Donc après ce qu'elle vient de me dire, je vais forward and right, ok. Ton anglais t'as chié, frérot. Hey, t'as 14 piges. Va apprendre l'anglais à l'école. Ok? Avant de me parler. J'y fais Harvard. Motion trigger. Oui, mais tu dois d'abord finir le minigame. Great job, si reaching parts minigame, and service. Circus Baby has been deactivated for an unknown reason. It's your job to make sure she is structurally stable and secured to the conveyor. Si je sais pas le minigame, technicians will take it from there. Can you hear me? I'm pretending. Remember how I said I could pretend. Comment je fais pour faire le mini-jeu alors? The camera. Là, je me rends en boucle jusqu'à que j'ai le mini-jeu? There is a passcode that you must enter before you can retrieve me. Enter the code carefully.
est mort, je meurs. Donne-moi le mini-jeu. Comment je vais? Écoute pas leur merde, tu dois juste finir. Vas-y, j'en ai marre là, je perds un temps fou à cause de ces rats. Allez, c'est fini, je fais la fin. Il y a un truc dans le menu extra? Ouais, c'est quoi les gars? Je vais faire la fin normale, ok? On regardera la fin secrète sur YouTube. Allez. Laisse-moi finir ce jeu. Z et Q en même temps, on est d'accord? Tout le monde est d'accord avec Z et Q? Motion trigger. Tout le monde est d'accord quand elle me dit forward et à gauche, c'est Z et Q, clac, les deux doigts enfoncés. C'est bon, tout le monde est d'accord? Oui ou merde? For an unknown reason. It's your job to make sure she is structurally stable and secured to the conveyor. Ok, let's go baby. Merci pour tous les subs, merci pour tous les soutiens les gars. Merci, cliquez sur le bouton follow si vous appréciez le stream, si vous passez un bon moment. On y va, c'est la fin, c'est le pro gamer. Putain, on en a chié sa mère, putain c'est... Can you hear me? Ça fait chier. Ce jeu les gars, il est trop bien. Mais putain, qu'est-ce que j'en chie sa mère. There is a passcode that you must enter before you can retrieve me. À boule. Enter the code carefully. 8, 3, 2, 2, 2, 6, 1, 1, 6, 9. Good. A hat should have. Now you must turn. Stop it! Je suis même pas fatigué en plus. You must follow my instructions. Ok, Z. Go forward. Stop. Go forward and left. Keep going. Stop. Be silent. Go forward and left. Stop. Go forward. You are almost there. Stop. She is right in front of you. Don't move. He is here to help, Ballora. He is not here to hurt us. Ballora, he is here to help us. Go forward again. Ballora is behind you. She is afraid of the scooping room. She will not follow you. Boom! Warning. You've entered a highly dangerous area. You have entered from maintenance hatch 1B, reserved for cleaning and repair of the scooper. Entering this side of the room is strictly prohibited by unauthorized personnel. Ne me dis pas que je dois refaire ça, les gars, s'il vous plaît. You are in the scooping room now. Funtime Foxy has already been here today. Funtime Freddy has already been here today. Ballora has already been here today. Circus Baby has already been here today. I've been out before, but they always put me back. They always put us back inside. There's nowhere for us to hide here. There is nowhere to go when we look like this. What the fuck? But if we looked like you, then we could hide. If we looked like you, then we would have somewhere to go. The scooper only hurts for a moment. Elle va me buter là. Ouais, c'est sûr, c'était sûr. C'était sûr. Je savais qu'elle allait me buter et qu'elle va prendre mon corps. Regardez bien. C'est sûr.
Pourquoi les gens ils disent en hard? Con quoi? I wanted to watch your show too. I don't know why you won't let me come see you. You're wonderful. Where do the other children go? C'est en art d'animatronique. Putain, mais il y a des fanboys. J'ai fini le jeu? T'as celui-là, c'était peut-être le meilleur, les gars. En termes d'histoire, de trucs, c'était vraiment bien fait, tu vois. J'ai adoré celui-là. Il m'a beaucoup fait penser à Portal. En fait, celui-là, il est plus dans l'ambiance et tout, storytelling et tout, quoi. Les autres sont vraiment jeux de tryhard, quoi. Donc elle m'a infecté ou un truc comme ça, genre je suis un robot ou j'en sais rien, tu vois, c'est sûr. Mesdames et messieurs, on l'a fait! On l'a fait! Donc en gros, c'était un mec normal et elle l'a rendu robot, trop bien, trop bien, trop bien. On l'a fait, les gars! Prochain marathon, là on a fait les deux aujourd'hui. Prochain marathon, on va le faire. Et il était chambé celui-là, il était vraiment vraiment chambé. Prochain marathon, on va le faire. Je sais pas, mais y a quelque chose après les crédits ou pas? Y a quelque chose après ça ou pas? Eh, venez voir sur Twitch en tout cas, pause bleu, laissez les commentaires, est-ce que vous kiffez FNAF les gars? Eh, c'est ouf, la communauté qu'il y a sur FNAF, c'est un truc de malade. Donc gros bisous à tous les gars, abonnez-vous, venez sur Twitch les gars, claquez les primes, hein, claquez les, venez vite. Y'a rien après là? On va regarder la fin secrète. Donc ça, si j'avais plus de 32 QI, j'aurais pu faire le clown, c'est ça? Parce que j'avais pas assez de 32, j'avais pas plus de 32 qui. Il y a quelque chose après ça ou pas? Tiens, il y a quelque chose après ça ou pas? C'est parti. Il reste Security Breach. Oui, non, il reste Security Breach et même un autre, je crois. Il y a El Puente, je crois. Et donc il en reste encore deux. Et je pense que ça prendra encore deux soirées de stream, ça. Alors, la fin secrète, mesdames et messieurs. All ending. En anglais ou dans ce son, il n'y a pas en français? Motion trigger, parts and service. Great job, reaching parts and service. Il y a aussi The Joy of Creation si tu l'as pas fait. And Laura is going to follow you. Donc là, il appuie sur le bouton vert. Don't. Et là, il va à droite. He is here to help, Ballora. He is not here to hurt us. Ballora. Thank you that you have accidentally wandered into a restricted area. Due to it's granted. You must follow my instructions in Funtime Auditorium. Ballora, go forward. Attends, j'ai envie de voir ce qu'elle dit. Access granted. C'est la safe room. It seems that you have accidentally wandered into a restricted area. Due to the sensitive nature of the materials that you may be exposed to here, you will not be allowed to leave until the cleanup crew arrives at 6 a.m. So hang tight. No, rest faut assured jouer au premier. That you will be promptly rescued, fired, then sent home. Thank you for being premier. An employee. We hope that your experience has not been as regrettable as ours. C'est trop bien. C'est incroyable qu'ils aient fait ça. Alors, il fait quoi? Ah, il a les cams et tout. Il y a le meilleur de tous, un fangame.
The Joy of Creation, tu peux pas rater ça. Ah ouais? Ça lui baisse sa batterie là, qu'est-ce qu'il fait? 5h du mat. Tu peux fail ça? Tu peux fail ça? Comment il poussy? Oui, clairement, ok. Il reste Pizzeria Simulator, El To Wanted, le meilleur, et Security Break. Eh bon, c'est le meilleur, oh, putain, les gars. Oui, on va tous les faire, ne vous inquiétez pas. Joy of Creation, je vais essayer de le faire aussi. En VR, non mais frérot, là, On n'a pas eu cette fin, nous. On n'a pas la fin du vampire. You call that a house? It was like a morgue in there. I may be undead, but you're heartless. You need to see your son. The baby isn't mine. He ate the cat! Sounds like something he got from your side of the family. Well, how's this? I'm keeping the diamond ring. The joke's on you. I found it in a kid's meal. You bought a kid's meal? Oh, Vlad! Clara! What the fuck? As the hair on the back of a cat stands up straight, so also does the love between Vlad and Clara stand up against all obstacles. But what about the baby? What about the back child support? Stay tuned next season for those answers and more. Putain, c'est la dernière fois que je me suis niqué le genou. Ah, tu peux bouger? What the fuck? What the fuck? C'est énorme, mais pourquoi? Attendez, les gars! Alors, fallait faire comment? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, fallait l'esquiver, vous voyez? Ok, je suis d'accord avec ça. Ok. Allez, l'esquiver, les gars. Waouh. Il est chaud. Oh mon dieu, il est chaud. Oh, il est chaud. Non, il est vraiment chaud là. C'était un enfer, hein, les gars. C'était un enfer à faire. En vrai, j'aurais pu, le nombre de fois que je l'ai fait, j'aurais peut-être pu penser plus tôt, mais j'étais déjà chier. Il reste deux. Ah, il a poncé le jeu en même temps, ce rat. C'est pour qui? What? T'as vu, il va même pas à droite. Genre, je serais trop tenté d'aller à droite. Pour qui la sucette? What the fuck? Je sais que c'est une glace.
C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, pour qui la glace? Hein? C'est qui? For another day, perhaps. Alors, j'ai vu... What the fuck? On est en South Park maintenant, les gars. Là, il y a un zombie qui se balade, les gens le voient, ils ont peur. Et il est mort. You won't die. 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 Tu ne vas pas mourir. You won't die. You won't die. You won't die. Die. Elle spam un peu. Il a vomi un virus. Il s'appelle. C'est quoi ça? Ça s'enchaîne? C'est un enchaînement ça les gars? C'est des enchaînements ça les gars? Le mec il a monté ça n'importe comment les gars. Le mec il a monté ça n'importe comment ou... It's me, Michael. I did it. I found it. It was right where you said it would be. They were all there. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. What the f- And I found her. On est dans Valorant. I put her back together, just like you asked me to. She's free now. But something is wrong with me. I should be dead. But I'm not. I've been living in shadows. There is only one thing left for me to do now. Casse-toi, comment supprime ça? I'm going to come find you. I'm going to come find you. Oh non, mais comment on supprime ça? I'm going to come find you. Ok. Ok les gars. Ok, bon bah écoutez, c'était vraiment bien hein. Mais en tout cas j'ai cru comprendre que le robot avait mangé une petite fille. Et je crois que c'est comme ça qu'ils ont gagné la vie. En tout cas si vraiment j'ai la déterre, il faudrait que je mate la vidéo les gars. Mais elle dure 1h50 sur l'histoire de FNAF les gars. Et là, est un regroupement de toutes ces animations-là qui, ensemble, ont possédé le corps du gardien, donc le corps violet. Tout moche. Et une fois que Ena a quitté le corps, il a récupéré des états pittoresques. Ok... Dossier théorie, l'histoire complète de FNAF, hashtag 1.
Il y a 5 ans. La chronologie complète des FNAF, le mystère résolu, timeline des jeux. Tristan RC, c'est bien ça ? Five Nights at Freddy's est une série de jeux vidéo indépendants. 2h13, mais c'est qui ces psychopathes ? les gars, allô ? On va pas se mater 2h13, les gars. Non, j'ai pas la foi, là. J'ai pas la foi, je vais rompiche, là. Five Nights at Freddy's est une série de jeux vidéo indépendants créés. Sinon, je vous la laisse, hein, et vous continuez la sub. L'une des majeures raisons qui fait que cette franchise est très connue, c'est son lore et l'histoire cachée derrière son gameplay d'horreur. Mais le problème, c'est que ce youtubeur. Le son. Beaucoup de personnes ont tenté de composer des timelines exactes de ce jeu. Est exactement et est exquis. Certains se sont ratés, d'autres que se sont arrêtés en chemin. Mais personne sur le YouTube français n'est allé jusqu'au bout de cette franchise. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous montrer le lore complet qui entoure ces jeux. Posez-vous confortablement, on en a pour longtemps. D'ici la fin de cette vidéo, nous aurons traité le lore complet de Five Nights at Freddy's. Écoute, mec, y a pas de problème. Je t'apprends à mettre les vidéos à 1 décibel. C'est une règle de base dans les vidéos. Quand on se remate sa vidéo, généralement, on voit que... Qu'elle est un peu faible au niveau son, quoi. Et c'est dommage, parce que souvent, c'est des vidéos qui sont très qualitatives. Et ça m'énerve. Et comme vous voulez tous le savoir aujourd'hui, ça m'énerve. Et je suis un être humain comme tout le monde, et j'ai le droit d'être énervé pour certaines choses. Sauf que je suis streamer, et du coup, vous avez le droit de me thread aussi. Voilà. Parce que personne ne vous threadera, vous, parce que vous êtes personne. Qu'est-ce que je voulais faire là ? C'est audio bureau 6. J'ai à ce jour 23 vidéos théoriques mises en ligne sur ma chaîne, ce qui fait un nombre d'heures de visionnage assez gros, vous l'aurez deviné. Et il y a beaucoup d'erreurs que j'ai pu commettre dans toutes ces vidéos. Ah bon ? Ma toute première vidéo timeline allait de FNAF 1 à Ultimate Custom Night, ce qui fait déjà pas mal. Mais depuis, il y a eu Alpontide, FNAF Air, j'ai lu les romans, j'ai fait la rencontre de beaucoup de théoriciens, et j'ai donc beaucoup changé d'avis depuis cette première vidéo. J'ai également beaucoup appris du lore de cette série de jeux. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose non pas ma théorie, mais la timeline FNAF la plus sûre et probable à ce jour. C'est bien ? Ceci sera également ma dernière vidéo théorie FNAF. Je m'expliquerai vraiment plus... Vraiment dur, frérot, il fait un taf insane. Mais j'en suis sûr. J'en suis sûr. Et vraiment, hein. Mais moi, tu vois, genre, ça me saoule quand je mets une vidéo sur ma télé et que je dois mettre ma télé à 100 en volume. C'est tout. C'est ce que je suis en train de dire. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Ça me saoule. Ce Tristan RC, merci d'avoir fait cette vidéo. T'es un amour. Et ta vidéo de 2h13, c'est très compliqué à faire. Merci d'avoir lu tous les bouquins, merci de nous éclaircir sur le monde de Five Nights at Freddy's. J'ai hâte de regarder ta vidéo extrêmement qualitative. Malheureusement, le son me déplaît. C'est bon ? Sans détail sur la fin de la vidéo. Et contrairement à ce que j'avais fait dans ma première vidéo en 3 parties où j'ai raconté l'histoire dans l'ordre des événements, je vais ici faire jeu par jeu. Mais je ne vais pas toujours détailler chaque élément, ça prendra un temps monstrueux et c'est déjà vu et revu ailleurs. On va donc se contenter de raconter le jeu rapidement mais sûrement, et de placer chaque événement dans la timeline de manière certaine. Le commencement. C'est en 2014 que commence notre aventure avec la sortie de FNAF 1, nous racontant l'histoire de Mike Schmidt, un gardien de nuit d'un restaurant nommé Freddy Fazbear's Pizza. Ce gardien doit survivre 6 heures par nuit face à un groupe de 4 animatroniques, Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, et un autre animatronique plus fantomatique, Yellow Bear. On va l'appeler Golden Freddy. On reviendra sur ce dernier plus tard. Le joueur est accompagné d'un gars au téléphone, nommé Phone Guy par la communauté, aussi officialisé par la suite, qui sert de tutoriel et donne beaucoup d'informations dès la première nuit, grâce à des messages pré-enregistrés. Il nous dit par exemple que les animatroniques vont sûrement croire que le joueur est un endosquelette sans costume, et qu'ils essaieront de mettre ce joueur dans un costume, ce qui le mènera vraisemblablement à sa mort, et donc au game over. Il nous parle aussi d'une certaine morsure de 87, dont la victime aurait survécu sans lobe frontal. Dans la Custom Night, en mettant respectivement 1, 9, 8, 7 dans les difficultés des animatroniques, un jumpscare de Golden Freddy survient, ce qui pourrait laisser penser que Golden Freddy a un fort lien avec cette morsure de 87 dans le premier jeu. Et je précise bien dans le premier jeu, parce que par la suite, on sait tous très bien que ça sera pas vraiment le cas. Et il nous dit qu'il était le gardien de nuit avant le joueur. Jusqu'où il va me spoiler, les gars ? FNAF 4, Sister Location. Donc on peut que regarder la moitié de la vidéo, les gars.
Nuit après nuit, il continue de nous informer, de sous-entendre qu'on survit plus longtemps que prévu, de nous donner des conseils. Exactement ce que je suis en train de dire. Ça me saoule. Ce Tristan RC, merci d'avoir fait cette vidéo. T'es un amour. Et ta vidéo de 2h13, c'est quoi ton objectif super chaud, parce que merci d'avoir lu tous les bouquins, merci de nous éclaircir sur le monde de Five Nights at Freddy's. J'ai hâte de regarder ta vidéo extrêmement qualitative. Malheureusement, le son me déplaît. Exactement ce que je suis en train de... Quel est ton objectif de ce clip, je peux savoir? Pour savoir si je te banne de ma chaîne ou pas. Seigne, et vient la nuit 4. Oui. Ça va pas du tout trop vite les gars, vous êtes malade quoi. À cause des animatroniques. Mais aux informations données par PhoneGuy s'ajoutent des informations données par des journaux. Les gars, comment fonctionne votre cerveau? Ça va pas du tout trop vite. Sur la caméra 4B, qui remplace quelquefois les règles de sécurité du bâtiment. Ces journaux se passent en 4 temps. D'abord, 2 enfants disparaissent, okay, attirés par quelqu'un déguisé en mascotte. Puis, 3 autres disparaissent. Les corps ne sont jamais retrouvés, mais le coupable est inculpé. On reviendra sur ce fait plus tard dans la vidéo. Le bâtiment est menacé de fermeture dû au fait que du sang et du mucus sortent des bouches et des yeux des animatroniques. Le bâtiment ferme donc après des années de lutte à cause de ses problèmes d'hygiène et du fait que personne ne voulait racheter le bâtiment. On en déduit vite que les animatroniques sont hantés par ces 5 enfants morts et que les corps ont sûrement été cachés dans ceux-ci. Ah. Pour soutenir cette idée, dans la nuit 5, après la mort de PhoneGuy, il y a tout de même un message au téléphone et ce message est un extrait de l'autobiographie d'un yogi, livre faisant référence à du métal vivant, ce qui peut donc lier les âmes de ces 5 enfants aux 5 animatroniques du jeu. Et je dis bien 5 animatroniques parce que... Ça me fait penser au code zombie les gars, tellement que c'est... C'est tellement que la commu elle est puissante dedans. Ça va trop vite mon que seul... Que je compte le Golden Freddy avec. Il y a même le mystère du It's Me qui peut se lier à tout ça. Dans le premier jeu, ce n'est pas seulement le visage de Golden Freddy, mais aussi ceux de Freddy et de Bonnie qui apparaissent à l'écran en même temps qu'un It's Me. Ce message apparaît aussi parfois sur la pancarte de Foxy. De même, parfois, des images d'enfants en pleurs remplacent des posters sur les murs d'une caméra, des apparitions fantomatiques. Le It's Me, à cette époque, et seulement dans ce jeu, pourrait signifier C'est moi, dans le sens où les enfants morts s'expriment. On va développer un peu plus sur les animatroniques. Freddy, Bonnie et Chica vous attaquent simplement avec un jumpscare en bougeant de caméra en caméra. Foxy court jusqu'à votre bureau et vous jumpscare à la porte, ce qui a donné naissance au fameux Foxy est gentil. Golden Freddy n'aura que des apparitions fantomatiques dans ce jeu. Et donc, on pose pour la première fois cette question, qui est Golden Freddy? Et on va voir que ça va très vite changer d'un jeu à l'autre. Golden Freddy est un des 5 enfants morts, logiquement, vu qu'il est associé au message It's Me. Mais pourquoi lui en particulier est un fantôme et pas les autres? Pourquoi lui garde toujours cette même position? Eh bien on reviendra sur ces questions dans des lores plus vastes parce que FNAF 1 n'est pas suffisant pour avoir du concret. Au niveau du jeu, Mike fait ses nuits tranquilles, reçoit son chèque et se fait virer pour plusieurs raisons. Mais une question peut vous venir à l'esprit. Pourquoi est-ce que Mike continue ses nuits quitte à risquer sa vie? Eh bien c'est grâce à PhoneGuy que l'on sait que Mike n'était pas au courant que les animatroniques seraient violents. Il ne l'apprend qu'une fois dans le restaurant. Et pourquoi il reste? S'il survit à ses nuits, alors il ne se fait jamais attaquer par les animatroniques. Ouais. Donc en théorie, il a aucune raison de quitter le bâtiment. On a donc une timeline très incertaine pour le moment. Aucune date, mais un ordre précis d'événements. Un bâtiment est ouvert dans lequel ces 5 animatroniques existent. Un meurtre a lieu, le bâtiment existe encore pendant quelques années avant de finalement fermer. Une certaine morsure de... J'ai envoyé le clip sur le Discord de Tristan en espérant que ça va le rendre heureux. Tu sais ce qu'il va faire Tristan? Il va cut le clip où je dis que la vidéo elle est pas bien, que le son gnagnagna. Tu vois, il va cut le clip et il va le mettre sur Twitter. Et après je vais me faire allumer pendant 3 semaines. Donc merci, merci à toi, c'est cool. Merci, merci. Hey Tristan, tape là frérot, ouais, c'est du bon gratos, allez on y va. 87 existe aussi, mais on n'a pas vraiment de contexte en se basant juste sur ce jeu. Il y aurait un possible lien avec Golden Freddy. Mais si on prend juste en compte ce premier jeu, eh bien rien n'est sûr. Parce que oui, dans la communauté FNAF, c'est admis qu'on joue un troisième bâtiment après tout ça. Mais avec juste ce premier jeu, on pourrait avoir une timeline telle qu'un bâtiment ouvre, il y a le meurtre, Fazbear Entertainment lutte pour garder le restaurant ouvert, puis la mention de 87 arrive, ce qui va causer la fermeture du bâtiment d'ici la fin de l'année. On jouerait donc Mike peu avant la fermeture du bâtiment. Est-ce que cette timeline est fausse? Bien sûr que oui, mais est-ce qu'elle est impossible pour autant? Eh bien là est tout le problème de ce premier jeu. Rien n'est très clair si on ne prend en compte que celui-ci. Donc à part en se basant sur les jeux qui suivent, on ne peut pas avoir une timeline sûre et certaine niveau bâtiment. Par contre, au niveau date du jeu, différentes personnes ont tenté de la déterminer, grâce à la paye du joueur. Mais je trouve personnellement que cette justification n'a aucun sens. Fazbear Entertainment n'a pas l'air particulièrement riche dans ce jeu, ce qui peut laisser penser que le joueur est sous-payé. Mais je vais tout de même théoriser sur ce chèque, non pas sur la paye indiquée dessus, mais sur la date, le 12 novembre.
Si on reste logique, il a travaillé pendant une semaine, donc du lundi au vendredi. Donc, le vendredi 13 novembre, il aurait eu sa paye. Et on retrouve un vendredi 13 novembre après 1987, en 1992, 1998, en 2009, et ainsi de suite. On va donc garder théoriquement 1992 si on veut rester dans les approximations de ceux qui ont calculé avec la paye. Mais ça... Attends, mais il a vraiment regardé les calendriers genre réels? Genre, où c'est qu'il y avait eu un 13 novembre? Un vendredi 13 novembre? Oh, le tryhard, j'adore! Sachez juste qu'on peut aussi se retrouver en 2116 si on suit ma logique. Nous avons donc cet ordre des choses, très peu précis au final, mais c'est ce que l'on sait de sources sûres. Toujours en 2014, FNAF 2, le second jeu de cette franchise. On se retrouve de nouveau dans le même type de situation. Un gardien de nuit face à des animatroniques dans un restaurant fait de masse pizza, mais pas le même que celui de FNAF 1. Par simple comparaison des cartes du jeu, on voit que le bâtiment, c'est carrément pas le même. Mais cette fois, il n'y a plus de porte. Le joueur se retrouve face à 15 animatroniques. Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Mangle, Wifford Freddy, Wifford Bonnie, Wifford Chica, Wifford Foxy, Wifford Golden Freddy, Balloon Boy, Puppet, Shadow Freddy, Shadow Bonnie, et JJ et Endo. Pardon ? Ce qui fait, vous l'aurez deviné, beaucoup de personnages à traiter. Le joueur se retrouve de nouveau accompagné de Fun Guy, malgré le fait que celui-ci soit mort dans le premier jeu. Il nous donne de nouveau de très importantes informations dès le début. On apprend que nous nous trouvons dans un nouveau restaurant Freddy Fazbear's Pizza, ce qui implique qu'il y en avait un autre avant. Il en parle ensuite en disant que le précédent restaurant a été abandonné et avait une mauvaise réputation. Il nous ressort le même blabla que dans le premier jeu, les animatroniques pourraient nous prendre pour un endosquelette sans costume, et vous savez ce qui vient ensuite. Leur solution à ça, pour éviter qu'ils ne vous prennent pour un endosquelette sans costume, devenez un endosquelette avec un costume. C'est pourquoi il y a un masque de Freddy dans le jeu. Il nous explique que les vieux modèles de Wyvern viennent du restaurant précédent. Ils nous confèrent... Oh merde, attends... Par rapport aux rumeurs qui pourraient affecter le joueur, et à partir de la nuit 4, les choses se compliquent. Le bâtiment est menacé de fermeture. Les animatroniques auraient du mal avec les employés du Freddy Fazbear's Pizza et les adultes. À la nuit 5, le bâtiment est confiné, personne ne doit rentrer. Vas-y, Tristan ! Et surtout les anciens employés. Un poste de garde de jour serait devenu disponible d'une certaine manière. Fazbear Entertainment chercherait à contacter le propriétaire du restaurant original, le Fredbear's Family Diner, restaurant ayant fermé des années avant. À la nuit 6, il nous dit que quelqu'un aurait pris un costume jaune et que plus personne n'agirait correctement depuis. Jeremy Fitzgerald, le joueur, sera ensuite affecté à la garde de jour pour un anniversaire, puis Fungi conclut en disant qu'il ferait sûrement la garde de nuit lui-même par la suite. À la fin de la nuit 6, on apprend que le bâtiment ferme, que les nouveaux animatroniques seraient détruits et que les anciens seraient gardés. Chose intéressante, le bâtiment est ouvert en 1987, l'année de la morsure citée dans le premier jeu. Concernant les raisons pour lesquelles ce joueur reste, je pense que les raisons sont les mêmes que Mike Schmidt dans le premier jeu. On n'a rien 87, à dire sur ce joueur pour le moment, j'y reviendrai plus tard. Donc sa théorie passons marche aux choses intéressantes. Commençons par établir une chronologie des événements qui nous aidera à comprendre les animatroniques du jeu. D'après Fungi, il y aurait un Fredbear's Family Diner qui serait le premier restaurant. Mais toujours d'après lui, on serait dans un tout nouveau Freddy Fazbear's Pizza, ce qui implique qu'il y en avait déjà un avant. Et avec nos approximations du premier jeu et le fait que la morsure de 87 est un fait déjà établi dans le premier jeu, on peut se dire qu'il y a le bâtiment de FNAF 1 après celui de FNAF 2, ce qui ferait de FNAF 2 une préquelle. Le bâtiment... Chat, comment est-ce que... Comment est-ce que... Genre, je sais pas. J'arrive pas à capter le concept d'être fan d'un jeu d'horreur qui te fait trop peur. Comment tu peux être fan d'un truc qui te fait trop peur? Vous voyez ce que je veux dire là? Il y a vraiment un truc que... C'est un truc de ouf hein, quand même, comme situation psychologique. L'adrénaline. Avant celui de FNAF 2 serait source de rumeurs, ce qui pourrait nous aider. En fait, si je vous dis demain, vous avez peur, vous avez la phobie des araignées, mais vous êtes fan des araignées. C'est ce que je veux dire? Genre, mec, t'es comme Spider-Man, t'analyses les araignées, tu regardes tout sur elles, mais à chaque fois que t'en vois une, t'es pas bien. Tu vois? Bon, c'est quand même pas à ce point-là en vrai, c'est un jeu vidéo. C'est supposé que les meurtres se sont passés dans ce bâtiment. Le Fredbear's Family Diner dans tout ça existe. On n'en sait pas plus que ça avec FNAF 2, juste qu'il a existé.
Donc on aurait d'abord le Fredbear's Family Diner, puis un restaurant avec 5 animatroniques au moins, Freddy Bonnie Chica Foxy et Golden Freddy en dehors de sa forme fantomatique, les meurtres ont lieu, le bâtiment lutte pour sa survie et ferme, un nouveau bâtiment ouvre avec ses 5 animatroniques devenus Weavered, des nouveaux animatroniques, les Toys, s'y ajoutent, mais seront détruits d'ici la fin de ce bâtiment, et donc les Weavered seront réparés et réapparaîtront dans le premier jeu. Concentrons-nous maintenant sur les mini-jeux et les intermissions, l'essence même de ce jeu. Là, je vous avoue que ça va être la partie L'essence. Facile de la vidéo. Ça va être la partie facile, parce que c'est des éléments prouvés, démontrés encore, et encore, et encore, et encore, et j'en passe. Donc, vous connaissez le refrain, on va pas s'étendre là-dessus 10 000 ans. Une fois de temps en temps, en mourant dans FNAF 2, un mini-jeu pourra se lancer. Ils sont au nombre de 4, et après les avoir vus et revus et analysés très souvent, je peux vous assurer qu'ils sont pas compliqués du tout. Procédons dans un certain ordre. Il y a d'abord le Foxy Go Go Go, mini-jeu durant lequel on joue Foxy qui va amuser 5 enfants, ou 5 adultes nains, en sortant de son antre. Chose notable, un des enfants slash nains a une expression différente du reste du groupe, et au bout de la troisième fois, un homme en violet apparaît et les 5 enfants ou nains sont morts. Vient ensuite un jumpscare de Weavered Foxy. Pour garder l'idée des journaux que des enfants sont attirés, je pense qu'il s'agit plutôt d'enfants et que le tueur n'a pas pratiqué le lancer de nains dans les animatroniques. Même si c'est quelque chose que je demande à voir. Take Cake to the Children nous montre un Freddy donnant des gâteaux à des enfants, ou des nains, dans un restaurant avec un autre enfant ou un nain, pleurant en dehors du restaurant. Au bout d'un moment, une voiture arrive, un homme en violet tue l'enfant ou le nain et repart. On entend durant tout le mini-jeu quelqu'un épeler « Save him, sauve-le ». Un jumpscare de puppet arrive ensuite. Give Gifts, Give Life, on joue la puppette donnant des cadeaux à ce qui semblerait être 4 cadavres, ces cadeaux étant des masques animatroniques de Chica, Foxy, Freddy et Bonnie. Sur la fin, un cinquième cadavre sans masque apparaît à l'écran, puis vient un jumpscare de Golden Freddy. On entend pendant tout le mini-jeu quelqu'un épauler Help Them, aide-les. Traitons d'abord ces 3 mini-jeux avant de parler du dernier. Pour le premier, le lien est pas si compliqué que ça à faire. Un Foxy fonctionnel dans un restaurant durant lequel il y a un meurtre de 5 enfants, cela se passe vraisemblablement dans le premier Freddy Fazbear's Pizza, durant le meurtre des 5 enfants. Et je sais que les journaux disaient qu'il y avait 3 enfants puis 2 qui étaient attirés, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 2 enfants tués puis 3 tués. Cela veut dire que 2 enfants sont attirés puis 3 autres. Oui, ok, il dit des nains les gars, on s'en branle, non ? Donc les 5 ont pu être tués en même temps, ce qui serait montré par ce mini-jeu. Concernant le deuxième mini-jeu, on voit un enfant mourir, puis un jumpscare de Puppet. Pas besoin d'un grand cerveau de génie pour deviner qu'on vient de voir la mort de l'enfant qui hante Puppet. Le troisième, cependant, est intéressant. Puppet qui donne la vie à 4 des 5 enfants morts. Les cutscenes du jeu viennent soutenir cette idée. Durant ces cutscenes, qui sont définies comme des rêves dans les fichiers du jeu, nous jouons Freddy à côté de Bonnie et Chica dans le restaurant de FNAF 1, ouais. Si on se fie au décor. Jusqu'à maintenant, on a vu un décor pareil faisant face à Freddy, Bonnie, Chica que dans FNAF 1. On joue donc ce Freddo avec pour seul but de tourner la tête de droite à gauche. Ces cutscenes se passent en 4 temps. D'abord, Bonnie et Chica sont normaux, le jeu affiche R ça. Pour Error à la fin de la cutscene. Puis Bonnie et Chica se penchent un peu plus vers le joueur, le jeu se finit sur un Hit Me remplaçant le R. Encore une fois, la cutscene suivante, Bonnie et Chica se sont rapprochés et cette fois, ouais. Golden Freddy se tient devant Freddy. La cutscene se finit de nouveau sur un It's Me. La dernière des cutscenes nous montre Puppet qui suit le regard de Freddy et se finit aussi sur un It's Me. Et donc, que signifie tout ça ? Eh bien, vous allez trouver ça tout con. C'est juste pour nous montrer que les enfants hantent les animatroniques. Tout simplement. D'où les bruits d'enfants qu'on entend en fond pendant ces cutscenes. Donc, niveau chronologie, où se passe quoi ? On sait déjà quand se passe le meurtre des 5 enfants, donc logiquement, le Freddy Go 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 se passe durant ce meurtre. Le Give Gifts Give Life se passerait au moins après ces événements. Et pour ceux qui veulent savoir quand se passe précisément ces événements, eh bien on sait que dans FNAF 2, il y a Golden Freddy. Ce qui veut dire que le meurtre a déjà eu lieu, et donc que Puppet a déjà agi. Donc, Give Gifts se passerait entre le meurtre et FNAF 2. Mais concernant Take Cake to the Children, là encore, on fait face à une difficulté. Ce mini-jeu raconte la mort de Puppet, donc il faut que Puppet existe quand cet enfant meurt. Mais quand se passe ce mini-jeu ? Eh bien, c'est une très bonne question. On peut déjà délimiter tout ça. Il ne se passe pas après le mini-jeu Give Gifts, Give Life, ce qui referme déjà beaucoup les possibilités. Je ne pense pas qu'il se passe dans le Freddy Fazbear's Pizza du meurtre des 5 enfants, pour la simple et bonne raison que... La taille du bâtiment, peut-être ? Le meurtre des 5 enfants a eu lieu dans un bâtiment avec une backroom. Et là, il y a un carré tout juste assez grand pour 6 enfants ou nains et un animatronique. Cela nous laisse donc un dernier choix. Le Fredbear's Family Diner. On n'a pas plus de détails là-dessus pour le moment, donc sachez juste qu'on sait que Puppet y est mort, et c'est tout ce qui compte. Genre, tu vois, passons donc au dernier mini-jeu. Il y a une bonne raison pour laquelle je traite celui-ci en dernier. Nous contrôlons Weavered Freddy dans le restaurant de FNAF 2. La Puppet nous demande de le suivre. Mais arrivé à un moment, le mini-jeu se finira. On peut voir en traversant différentes salles 5 corps avec beaucoup de sang à leur côté. Il y a également beaucoup d'animatroniques du jeu, le gang des Weavered, Golden Freddy, les Toys et Mangle. Une fois de temps en temps, un homme en violet arrivera face à vous, ce qui mènera à la fin du jeu. On entend durant tout le mini-jeu une voix épelée « Save them », sauve-les.
Là encore, pas vraiment de grosses interprétations à avoir. 5 nouveaux corps qui ne peuvent pas être ceux du premier meurtre, vu la quantité de sang, qui sont hors de portée de vue des caméras, et il y a eu un nouveau meurtre de 5 enfants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un point commun à tous ces meurtres. Enfin, bien sûr que vous l'avez remarqué à force de le voir chez d'autres vidéastes. L'homme en violet, le purple guy. Il est fort probable qu'il soit le coupable de tous ces meurtres, si on suppose qu'il s'agit toujours de la même personne. Donc, pourquoi n'est-il pas inculpé, comme dit dans les journaux du 1 ? C'est inexplicable pour le moment. À moins que les journaux ne racontent le second meurtre des 5 enfants. Ce n'est pas vraiment quelque chose d'explicable. Il faudra donc attendre la sortie du premier roman pour connaître la réponse à cette question. frérot, moi, mon attention, c'est comme en cours. J'écoute genre 5 minutes le prof. Allez. Donc, où iront ces 5 nouveaux enfants morts? Les animatroniques Wifford étant déjà hantés, tout porte à croire que les Toys sont hantés par les enfants. Donc Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Mangle et Balloon Boy. Nous en avons donc fini avec ces mini-jeux. Bien sûr, j'ai manqué du petit détail du genre qu'est-ce que c'est. Mais frérot, le but de la vidéo c'est de parler, de nous expliquer l'histoire. Si t'as pas capté ça encore, espèce de noob. Non mais c'est un truc de il parle trop. Bah sans deck, connard, tu regardes une vidéo. Ce machin que tient le Purple Guy pour arrêter Freddy, dans le mini-jeu Save Them. Peut-être un téléphone, et du coup Fun Guy et Purple Guy. Cette théorie n'est pas vraiment impossible, mais elle est totalement contredite dans FNAF 3, donc on va pour le moment pas trop l'envisager. Mais par contre, c'est vrai que Purple Guy pourrait être un employé de Freddy Fazbear's Pizza, on le voit grâce à ce qui semblerait être un badge juste ici. Passons à l'événement marquant sûrement le mystère le plus c'est connu. C'est horrible, c'est comme Code Zombie, la morsure de 87. Faut tout on suivre. Sait que cette morsure existe grâce à Fun Guy dans FNAF 1 et FNAF 2 se passe en 87. Quelle coïncidence! Le bâtiment ferme pour une raison inexpliquée sur la fin du jeu. La morsure de 87 pourrait expliquer cette fermeture soudaine. On a donc deux éléments à chercher. Ouais, mais pas pour trop pour rien dire. Non, attends. C'est pas il parle trop pour rien dire, il donne l'intégralité des détails au lieu de raconter juste le résumé de l'histoire, tu vois. Il donne l'intégralité des détails, l'intégralité de ses recherches. Qui jouerait-on donc? Possiblement le Fun Guy. Passons donc à FNAF 3, sorti en 2015, encore une fois peu de temps après le second jeu. On se retrouve cette fois dans un bâtiment, non pas un Freddy Fazbear's Pizza, mais le Fazbear's Fright. À ne pas confondre avec Fazbear Frights, qui est la série de recueils de nouvelles à un S près. Ce n'est pas une pizzeria, mais une attraction d'horreur. Le gameplay reste à peu près le même sur le concept, horrible. À quelques pire. Nouveautés près. C'est le pire, cette fois, il n'y a pas de limite de batterie, il y a des caméras de ventilation et une interface pour redémarrer quelques trucs. Cette fois, une autre personne nous donne les informations par le téléphone. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut résumer l'histoire de FNAF genre en 5 minutes là? Quelqu'un peut venir sur Discord s'il vous plaît? Ça y est, je peux pas, je suis désolé. je suis désolé, mais là en fait, il est trop tard pour moi de regarder la vidéo.